In aanloop naar de wedstrijd van zaterdag tegen Charleroi sprak Lierse TV met Rashid Bourabia. Onze middenvelder scoorde afgelopen zaterdag de 1-2 tegen Westerlo. In een partij die uiteindelijk eindigde op 3-3, was hij na afloop toch niet tevreden met het gelijkspel. We 3 hadden, hadden drie punten nemen, want het was een belangrijk was en het was vooral een match voor thuis. Helaas konden we, hebben, we hebben alleen één punt nemen. Er waren veel doelpunten voor de kijkers, maar... Sur le point efficacité, on n'a pas, euh, pas été très bien. On a, on a encaissé trois buts, même si on en met trois. Mais euh, voilà. le plus important, c'est d'avoir au moins pris quelque chose. À l'aller, on avait perdu là-bas, donc euh, ça fait toujours un point de, de prix par rapport au match à l'aller. staat nu als laatste drie punten achter cirkelen. Desondanks ziet Rashid nog voldoende mogelijkheden om uit de gevaarzone te C'est sûr qu'aujourd'hui, on est dernier. Maintenant, euh, il reste encore des matchs, il reste encore des points. Et euh, voilà, tant que... Euh, Tant qu'il y a des matchs, il reste encore de l'espoir. Et aujourd'hui, on est, on est, on est, certes, on est en dernière position, mais euh, ceux qui sont devant nous ne sont pas si loin que ça, même si c'est de plus en plus difficile au fil des matchs. Mais euh, on y croit toujours. On sait qu'il y, y, voilà, y a la possibilité de, de, de revenir et de, de, de continuer à espérer jusqu'au bout. Euh, on a encore un match euh, samedi très important à Charleroi. On sait que si, euh, voilà, si on fait un, une victoire à l'extérieur et qu'on enchaîne à domicile, on est tout de suite, tout de suite relancé. Et c'est ce qu'il faut, ce qui faut, ce qui faut espérer. lirez-je, pour de winterstop, nous devons encore de zaterdag iets moeten gaan rapen op Charleroi. De toute façon, nous, on est dernier. Donc, uh, tous les matchs sont importants, tous les matchs vont être difficiles. Toutes les équipes qu'on euh, qu va affronter sont devant nous. Donc, que euh, ce soit Charleroi ou que ce soit une autre équipe, on est obligé de, de faire des résultats si on veut continuer à y croire punte halen op niet évident ploeg van coach Mazzu staat op 7e plaats et is dus une équipe tegenstander C'est une équipe qui n'avait avait pas très bien commencé je me souviens que au match allé quand on les a joués à domicile ils étaient ils étaient très mal et je pense que bah, ils ont gagné ici ont, ça les a ça les a un peu relancés. aujourd'hui ils ont je pense qu'ils ont 28 points ils sont pas loin des playoffs. Hein? et euh, c'est une équipe voilà, avec beaucoup de joueurs euh, beaucoup de qualité et euh, je pense que à la fin de la saison, ils seront dans, dans, dans les six premiers. Et maintenant, euh, ce n'est pas non plus facile de jouer contre le LIRS, même si on est dernier. On n'est pas une équipe facile à, à jouer, donc j'espère qu'on fera un bon résultat là-bas chez eux. On pense que Rachid Alvastot est pour les Carolos. il que chaque dans notre compétition est de C'est une équipe assez équilibrée. Euh, offensivement, ils ont, ils ont des bons joueurs, que ce soit sur les côtés et que ce soit dans l'axe. Défensivement, ils ne prennent pas beaucoup de buts. Donc euh, je pense que c'est une équipe équilibrée, complète. Pas facile à jouer, mais comme toute équipe, euh, c'est une équipe euh, prenable. Donc euh, on va aller là-bas avec, euh, avec de l'ambition, avec l'envie de, de faire un résultat. Et à la fin du match, j'espère qu'on qu qu le fera. Om nog punten te halen pour de winterstop, heeft Geel Zwart a deux chances. Zaterdag op Chaleroy et op de tweede kerstdag thuis tegen Le Brugge. Oui, il reste deux matchs. Il y a un match à Chaleroy et un match à la maison contre Bruges. On sait que c'est deux matchs difficiles qui arrivent. Maintenant, euh, si c'est clair que si on veut finir euh, l'année sur une bonne note, on se doit au minimum de prendre une victoire sur les deux prochains matchs. Et euh, plus tôt on commencera, mieux ce sera. Donc euh, j'espère qu'on ira la chercher peut-être samedi à Charleroi pour pouvoir jouer euh, plus sereinement à domicile contre, contre Bruges.